Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 4 de Medal of Honor Soleil Levant. Je suis Ultimate John Doom. Nous venons résumer et d'effectuer la partie suivante avec Griffith dans la nuit du Gala Guadalcanal et que nous avons su s'orienter pour enfin entrer en scène avec les soldats américains pour envahir cette île et en même temps que nous avons accompli l'exploit de sécuriser un aérodrome pour que les renforts américains approchent. On va se mettre en route dans la seconde mission, Pistol Pet. C'est parti! Tous crevés, alors je vais être bref. Voilà le topo. On a réussi à prendre l'aérodrome, mais les Japonais n'ont pas quitté l'île pour autant. Ils ont une pièce d'artillerie à l'ouest qui continue de retarder les équipes du matériel. Ils ont mis le paquet hier soir, comme vous voyez. Un PC appelle ce joujou Pistol Pit. Impossible de se servir de la piste d'envol si tout pilote depuis des jours. Il faut me faire péter cette saleté d'obusier. Voilà comment se présentent les choses. Le commandement a chargé une patrouille de localiser et de détruire Pistol Pit ce matin. Mais je suis pas tout prêt. Les commandos disent qu'il y a un Écossais et des types qui surveillent la côte. Ils sont là depuis le début de la guerre. Vous les voyez, ils pourraient vous être utiles. Les deuxième classe Brooks et Thomason vous accompagnent. Prenez soin d'eux, caporal. Mais détruisez cet obusier quoi qu'il en coûte. C'est compris? Très bien. Pistol Pet, 14 octobre 1942. 14h43. Et là, on a des autres armes qu'on peut utiliser et que on va l'utiliser avec grand soin. Et voilà! Je t'ai eu. Je t'ai eu. Un de plus. Des munitions supplémentaires et une trousse de soins. Je t'ai eu. Un de plus. Grenade! Pardon. Un plus. Mitrailleuse! De ce côté. Un de plus. Ça doit être les renforts. Attends. Je regarde si c'est bon. Ok. Voilà notre contact. Vous avez la chance qu'on vous ait trouvé, soldat. Je m'appelle Martin Clements. Et voici Selass et Cape.
On vient de voir un groupe de chez vous et ils sont pas au mieux. Allez, suivez-moi. Je vous suis. Par ici. Pas mal. Il y a un sauvegarde pas loin. Je vais pouvoir me sauvegarder, comme ça c'est déjà fait. Voilà, je reprends ici et que j'ai su sauvegarder à temps. Et on avance. Après vous. Prudence. Oups, désolé. Tiens. Patrouille alliée sauvée. Attends. Soyez libre, prisonnier. Un type qui était dans mon unité avant. Vous êtes sûr qu'on se connaît pas? Enfin bref, laissez tomber. On est parti ce matin faire sauter Pistol Pitch. Mais ils nous ont tendu un piège. Faut que je trouve cet obusier et je vais avoir besoin de votre aide. Détruire cette pièce d'artillerie, c'est plus important que vous ne pensez. Très bien. On a vu un convoi de navires japonais se rapprocher de la côte. Si je t'ai eu. Si vous ne pas cet aérodrome en marche d'ici peu, on ne pourra pas garder le contrôle de l'île. On avance. À couvert ! Voilà ! Pistol Pit se trouve juste au-dessus. Suivons ce soldat pour avancer. Il faudra faire attention que l'impact peut être difficile. Enfin, à esquiver. Grenade! Tiens! Montez et vite. Non, je suis vaincu. Je reviens tout de suite. Voilà, je reprends ici et je suis au pied de la colline. Wow! Chichou! Wow! Non, je suis tombé. Voilà, je reprends ici. Et c'est reparti. L'obusier doit être au sommet de la colline. Faire attention à ces tirs. Je t'ai eu.
Non, encore. Rebelote, go. L'obusier doit être au sommet de la colline. Si je me mets sur le côté, c'est bon. Le canon ne peut pas m'atteindre. Je t'ai eu. Prenons le canon et vite. Boum. Ha. Non, je me suis fait avoir. J'ai pas fait attention à le Jap qui était derrière moi. Voilà, je reprends ici. Et cette fois-ci, je ne raterai pas. Boum! Zone de l'obusier sécurisée. Utilisons-le pour pouvoir battre les Japs. Boum! Un de plus. Encore vu. Au-dessus. Je t'ai eu. C'est bon. L'obusier est maintenant à notre possession. On va passer à l'étape suivante. Il faudra que je trouve le chemin suivant. Ici. À moins que... Non. Ok. Mitrailleuse. Tiens. Un de plus. Prenons ça. Il n'y en a aucune qui arrive. Voyons celui-ci. Bien vu. Ok. C'est bon, on avance. Une autre point de sauvegarde. Excellent. Je vais sauvegarder comme ça c'est fait. Voilà, je reprends ici et la sauvegarde est faite. Continuons de progresser. Trouvons Pistol Pete et détruisons-le. Fin. Non, j'ai lancé trop haut. Boum!
Canada d'envoyé. Un de plus. Des trousses de plus. Attends. Boum. Un de plus. Attends. Bien joué. Surprise. Attrape ça. Un de plus. Tiens. Avec tous ces coups, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Tiens. Au-dessus. Je t'ai eu. En voilà d'autres. Tiens, tiens. Ok. Chargeur Thompson. Les Japs ont caché l'obusier dans les galeries qui serpentent sous la ligne de crête. Il y a une fissure dans la roche qui permet peut-être d'entrer sans se faire remarquer. Suivez-moi. Je vous suis. Voilà le Thompson que je voulais. Monsieur. Voici le moment de vérité. On se retrouve au nord sur le pont. Bonne chance. Merci. J'ai entendu quelque chose. Des munitions de plus. Pardon, je me suis trompé. Un de plus. En voilà un d'artilleur pistolpette. Détruisons-le. Un de plus. Un autre. Attends. Je vais sauvegarder vite.
Voilà, c'est bon. Vous voulez le faire sauter ? Allez-y. Pourquoi pas ? Mets-toi aux abris. Allez, Griffin, faut se dépêcher ! Boum ! Ça en fait un. Un plus. Et un plus à terre. Des grenades supplémentaires. Ok. Sa pharmacie, oui. C'est bon. Voilà le pont. Je me suis un peu trompé, c'est le seul pistolet. À moins que... On avance, allez! Ok, c'est bon. Allez, laisse-moi avancer! Décidément. Faut que tu me laisses avancer, hein. Oh oh. Loupé! Oh, bien joué. Voilà un autre pistolet prête. Grenade envoyée! Seconde charge à poser. Oups. C'est bon. Passons à la suivante. Oups, pardon. C'est bon. Une trousse à pharmacie. Ah ! Un plus. Ok. Si je me trompe, il y en a un troisième pistolet. Si on réussit,
On peut avancer. Le voilà. On a d'envoyé. Je t'ai eu. Passons à la troisième. À toi de jouer. Tous les canons de pistol pet ont été détruits. Arson a amené sa mission à bien. Tiens. Tiens. Non, Arson. Il faut le sauver, et vite. C'est bon. Le pont est détruit. De rien. Notre mission est terminée. Saloperie de chape. Bon allez, on y va. C'est lui. Ce gamin se démerde bien. Et ça m'embête de le faire. Mais je crois qu'il correspond bien à ce que vous recherchez. On dirait que l'un des supérieurs est à la recherche d'un homme assez accompli pour pouvoir progresser. Voyons la suite. 7 mois après leur entrée en guerre, les Américains sont confrontés aux lacunes de leur système de renseignement. Ceci est, en général, la responsabilité du ministère des Affaires étrangères. Le président Roosevelt demande alors conseil à un ami, William G. Donovan, récipiendaire de la médaille d'honneur et vétéran de la Grande Guerre. Donovan propose de créer un nouvel organe autonome chargé du recueil du renseignement derrière les lignes ennemies. C'est ainsi que naît le Bureau des Services Stratégie, OSS. En juin 1942, Donovan prend la direction. Ce corps d'élite devient vite une arme cruciale contre l'AC. Ces unités sont envoyées sur tous les fronts et ces agents contribuent à maintes victoires alliées. Ok, voyons la lettre d'une sœur. Salut Joe, tu dois te demander d'où je sors ce papier à lettres. Je me débrouillais bien à la chaîne, mais le contremaître m'a offert un poste de secrétaire à la comptabilité. C'est mieux payé, je ne me plains pas. Mais tu devrais voir ta petite sœur au milieu des tôles en acier. J'ai une histoire marrante à te raconter. Hier soir, on est allé voir un film au Grand Théâtre. J'aurais aimé que tu sois là. Avant le film, il y avait les actualités. Ils montraient des Marines à Guadalcanal. Tout à coup, papa s'est levé de son siège et a crié « C'est mon fils, c'est Joe !» Il a couru dans la cabine de projection et a fait repasser la bande. C'était bref, mais un de ses gars était le portrait craché de Joe Griffin. Je t'ai même rapporté un souvenir. Bon, la pause café se termine, mais je t'écrirai bientôt plus longuement. Au fait, on a reçu ta carte postale. Il lui a fallu 2 semaines pour traverser le Pacifique, mais elle a vraiment illuminé notre journée. Affectueusement, Marie. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, comme je suis déjà à 29 minutes.
J'espère que cette partie de vidéo de ce jeu vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous quand vous voulez et laissez un commentaire positif. Et n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties de vidéos. Que la passion jeux vidéo rétro gaming continue à suivre dans la prochaine partie.